Les dinosaures et autres espèces préhistoriques, saison 2, épisode 7. Nous sommes au Crétacé, il y a 75 millions d'années, avec un Carnotaurus prédateur de 9 mètres de long et un poids de 2 tonnes. Ce Carnotaur est en chasse, il est à la recherche de nourriture. Et un peu plus loin, un herbivore géant. Pentaceratops. Herbivore géant de 8 mètres de long. Et le Carnotaur l'a vu. Il passe à l'attaque. L'herbivore réagit. Mais d'un seul coup, le Carnotaur inflige une violente morsure au Pentaceratops. Et il griffe la grande patte. La patte arrière. Le Pentaceratops crie de douleur. Mais le Carnotaur continue à attaquer. Et le Pentaceratops se défend. Et le Carnotaur reçoit un énorme coup. Féroce prédateur crie de douleur. Et le féroce prédateur va en retraite. Arrivé chez lui, le féroce carnivore va devoir se reposer avant que sa blessure guérisse. Le lendemain matin, un prédateur féroce, Achiobator. Celui-ci est en chasse à la recherche de nourriture. Il a trouvé une vieille carcasse. Il la a dévorée. Un herbivore. Un jeune hadrosaure. C'est un critosaure. Et il n'a pas remarqué qu'un féroce agressif prédateur Dinamoterror était dans les parages. Qui est en chasse. Il attaque. Il lui mord le cou. Et le tue.
à suivre dans un prochain épisode.